Bon coup de bain. Comment ça va, vous? Pas trop pire. Vous avez un nouveau terrain de golf? Oui. C'est un 17? Un 9. Bon ben, moi, je suis président du club Les Amis de la Moto. Oui. Bon, on voudrait bloquer samedi prochain pour un tournoi. Comprends-tu, là? Oui. C'est samedi à quelle heure qu'on pourrait avoir un départ? Ah, ben, faudrait venir me voir avant ça. On va être là à 6h moins quart, nous autres. Puis y a pas personne qui va partir, fais-moi confiance. Oh, oui, oui. On va arriver une trentaine, là, puis on va le prendre, le contrôle. Non. Mais comment ça, non? Ben, tous les tournois, je m'organise pour rencontrer les gars, pour discuter directement avec eux autres. Prends ton crayon, puis écris ça, là. Ouais. On a à peu près 200 gars, puis une affaire. As-tu des cartes électriques chez vous? Non. Bon, ben, écoute bien, ça nous arrangera bien, parce qu'on prendra nos bicycles. Non. Comprends-tu? On voudrait arranger quelque chose de nouveau dans un tournoi de golf, tu sais. Ouais. Les gars prendraient le bicycle avec le sac de golf dessus, ça sera beau. Je vais avoir un tournoi, mais pas n'importe quel sorte de tournoi. Il y a une disciple de Longness qui sera là, les Rollers de Mont-Laurier, les Spokes de Terrebonne. On sera à peu près 225 gars. Non. On va retenir le départ. Pas personne d'autre va jouer, fais-nous confiance. Ben, c'est trop de personnes, ça. Ben ouais, mais ça me donne... On amènera Toto Gogra pour prendre des photos. Je peux pas. Premièrement, ça c'est trop. Comment c'est trop? C'est trop de personnes, ça peut... Ben non, voyons. Y'a pas de problème. Là, j'ai vu du D9, on fait des tournois avec 300 gars. C'est un départ. Veux-tu le faire marcher dans le club de golf ou si tu veux pas? Oui, mais pas avec des bicycles à gazoline, c'est un terrain de golf. Ben ouais, mais écoute bien, là, les gars se promèneront pas ces greens, tu fais là. Non, y'en est pas question. Ben là, je vais te dire une affaire, là, tu me tombes ses nerfs, toi, là, hein? Ouais. Ben, il fait envoler des balles. Il donne l'op dur pour son 90 de pression. Ah, mais c'est des choses qui s'acceptent pas. Attends une minute, là. Qu'est-ce que tu dis, là? Nous autres, on fera ça, on fera bien ça, tu sais. À des petits stands à bière, là, tu sais. Si tu veux jouer au golf dans la région, là, je peux t'en recommander un terrain. Non. Samedi prochain, OK le pire. Non. Donne-nous un départ, 6h moins quart, on va être là. Ah, y'en a pas question. On va être là pareil. Y'en a pas question. Ça sera beau, veut dire qu'une banderole, là, les amis de la moto. Connais-tu Alfie Chan? Non. Ah, il connaît pas lui non plus, j'en ai parlé. Je suis prêt à en accepter un tournoi, mais pas avec des bicycles. Ben ouais, mais garde bien, là. On se tiendra sur le bord des fairways. Les gars se promèneront pas sur le fairway. Ouais, c'est pas des fous. L'année passée, quand on a joué au Club Saint-François, là, les gars, ils ont breaké sur les greens, puis ils ont fait spinner les bicycles dans les trappes. Cette année, il n'y aura rien de ça, hein? Non, il n'y en a pas question. Il n'y en a pas question de ça, certain. C'est moi qui s'occupe cette année, puis les gars vont être bien tranquilles, tu sais. Non. J'aurai un sac sur le bord, puis les gars vont changer nos bâtons. Aucun véhicule qui embarque sur le terrain. Aucun. On rentrera pas sur le terrain, on se promène sur le bord. Ah, c'est un... Prends-tu, là? Non. Pas de drogue! On n'amènera pas de drogue de mon main. Non, impossible. Mais m'a te compté une affaire, là. M'a parlé de ça à un de mes chums, là. Puis lui, tu vas l'entendre parler cette affaire-là. Ouais. Comprends-tu, là? Ouais. Il y a un de mes chums qui s'appelle Tex Lacour. Ouais. Connais-tu ça? Moi, je le connais. C'est lui qui te parle, maman. Oh, Colin, le Colin. Colin, je me suis fait avoir. Mais j'aurais pas cédé pour un pouce. Puis comme ça, samedi, on part à 6h moins quart. J'ai pas peur des pots de cuir et puis des gars de bicycle. On amènera Toto Gogra pour prendre des photos. Je peux pas. Premièrement, ça c'est trop. J'ai plus d'adulte, les gros méchants. Espèce de popsicle et